suffit. Je sais que vous êtes là. Et je vais vous trouver. Longtemps qu'il n'y a plus personne ici. Allez. Vous êtes tout prêt, hein? Je vous trouverai. Personne. Ça sert à rien de chercher. Sophie, je sais que vous êtes là. Et je vais vous trouver. Longtemps qu'il n'y a plus personne ici. Allez. Vous êtes tout prêt, hein? Je vous trouverai. Personne. Ça sert à rien de chercher. Payez, crois-moi. Allez. Longtemps. Assez. Vous êtes tout prêt, hein? Je vous trouverai. Suffit. Je sais que vous êtes là. Vous voilà. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Ça a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? On va pousser ça. Oui. Monte, je vais t'aider. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'il ne nous retrouve pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh.
ranger. Oh non, vite. L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Non. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Allez, allez. Tiens, bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute, tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer, morceau par morceau. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. Non, Amicia, ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. Des gamins, alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste de cette pourriture. Et vous, on se fout de nous. On fouille le coin. Il y a longtemps qu'ils sont plus ici. D'autres les choperont. Ils ont détalé depuis longtemps. Oubliez-les. Ah non, encore eux. C'est par où? Je sais pas. Il n'y a aucune issue. Oh non. Vite, s'il te plaît. Je sais. Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite. Ils savent qu'on est là. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Ici. Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? Je sais. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. J'arrive pas. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Ah, Amicia, Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Entrez. Chut, Seigneur, c'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! De l'encens, le même que Mère utilisait.
C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici ? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai le cuir. Il manque plus que les outils. Voilà les outils. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Ça va me simplifier la vie. Enfin ! Ça va faire du bien. Ça m'a l'air bien mieux. Voilà. Juste ce qu'il me fallait. Je sens que ça me sera utile très vite. Ça va me simplifier la vie. Enfin ! Ça va faire du bien. Ça m'a l'air bien mieux. Voilà. Juste ce qu'il me fallait. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Ouais. Chut. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia! Tu mens! Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse, menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. Oh, c'est pas vrai. Oh non, il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo!
J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, laisse-moi. Je suis désolée. Lâchez-le! Lancez-la, tête! Non, attendez, on veut juste s'en aller! Je voulais pas! Amicia! Hugo! J'arrive! Faites qu'il soit encore en vie! Faites qu'il soit encore en vie! Hugo! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrête de gigoter! Amicia! On attend juste ta sœur. Amicia ! Moi, tu ne m'enterreras pas. Commencez par toi. Pourquoi non, il a fallu que vous veniez ici, hein ? N'obligez pas à faire ça. Pauvre idiote. Cette armure a arrêté bien des épées. Ah, il doit y avoir moyen de faire sauter son armure. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Je suis juste un peu rouillé. C'est comme ça que tu comptes me tuer ? Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Tu vas devoir faire mieux que ça. Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre. Pauvre idiote. Cette armure a arrêté bien des épées. Je suis juste un peu rouillé. Crois-moi, je vais t'avoir. Ridicule! Tu crois me faire peur? J'ai servi dans ta guerre! Trop tard. Laissez-la tranquille.
Je vois. Tu as ça en toi. Viens, ça va m'aider. Laissez-le. Je vais... Tu peux pas fuir. Crois-moi, je vais t'avoir. T'es rapide. Mais il suffit d'un coup. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Je t'en supplie. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Je dois écouter vos propos. Allez, vas-y. Renvoie-moi auprès de mon fils. Allez, tue-moi. Qu'on en finisse. Non. Tu crois me faire peur? Rapide, je vois. Pitié, je veux pas. Trop tard. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. Je suis juste un peu rouillé. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Yeah. Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Tu vas devoir... Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. C'est pas vrai. C'est rapide, mais il suffit d'un coup. Je suis juste un peu rouillé. Je vois. Tu as ça en toi. Bien, ça va m'aider. Montre ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Je t'en supplie. Va mourir. Le vainqueur sera maudit pour l'éternité. Allez, vas-y. Renvoie-moi auprès de mon fils. Allez, tue-moi. Qu'on en finisse. Non. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Amicia. Tu l'as tué.
Regarde, Amicia. Oui, j'arrive.